Salut tout le monde, je partage avec vous cette vidéo une expérience. Je vais vous montrer une parmi les pannes qui cause des vibrations. Des vibrations, si vous voyez. Si vous voyez. Les vibrations du moteur. Si vous démarrez la voiture, vous avez l'impression que le moteur il va tomber. Et si vous avez un symptôme de levier de vitesse lorsque vous démarrez la voiture. Ouais. Si vous avez le levier de vitesse qui bouge quand vous roulez ou bien quand vous démarrez la voiture au ralenti. Regardez, si vous démarrez, le moteur il bouge. Si vous voyez. Là, je l'ai démonté, mais quand il est HS, le support. Ça vibre un peu, ça bouge, ça secoue. Donc, levier de vitesse. Même à l'extérieur, si vous voyez, le moteur il bouge. Le moteur il bouge. Mais il n'est pas stable. Voilà. Si vous voyez là. Et bouge. Voilà. Donc je suis rentré en bas. Voici les amis ce que j'ai trouvé. C'est le support inférieur de la boîte à vitesse. Sur la voiture, sur les françaises, il y a trois supports. Deux supérieurs. Côté moteur et côté boîte, il y a le support inférieur. Si vous voyez, le cylindre qui est cassé. Donc, quand je démarre, le moteur il vibre et même j'entends du bruit dans le tableau de bord, des vibrations partout dans le tableau de bord, sur les panneaux de porte. C'est gênant en fait. Voilà, j'ai démonté donc je suis rentré en bas. J'ai trouvé que le support est mort, HS. Donc il faut le démonter. Il faut soulever la voiture, il faut le démonter en bas. Et il faut le changer. Normalement c'est pas compliqué. Il a deux vis. Une 18 et une 16. Voilà, normalement le bruit et les vibrations à l'intérieur, dès que vous changez le support, vous allez ressentir un changement. Franchement, les bruits, la voiture elle va se calmer. Le bruit il va partir, vous n'allez rien ressentir. Voilà, donc merci à tous. J'espère que ça va aider des gens à trouver ce problème. À bientôt.